Welcome to the cinema. No mobile phones. No talking or toddlers. And please, be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Now sit back and enjoy the show. Antoine, réveille-toi, réveille-toi! Pourquoi est-ce que tu dors? Comment peux-tu dormir? No estaba dormido, estaba durmiendo, pero despierto. Ta femme doit être remarquable. Ces rêves que tu as à la fois éveillé et endormi. Mais tu n'es qu'un simple voleur. La guerra me hizo una puta. Y a ti una ladrona. ¿O era al revés? Freud a beaucoup d'explications à donner. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Antoine, ¿de quoi parles-tu? S'il te plaît, Antoine. S'il te plaît. ¿Esa voz? Tu parles de moi. Sí, tú. María, tú la escuchaste. ¿Quién era? Antoine, qu'est-ce qui te prend ces temps-ci? Depuis la mort de Luigi, tu n'es plus toi-même. Si tú lo dices, querida mía. Si te hace feliz, y así lo dices. J'ai marié un voleur, un bon, honnête voleur qui connaissait sa place dans la vie. Maintenant, je suis coincée avec un hermaphrodite. Une créature qui ne sait plus s'il est un homme ou une femme. Quel est le mensonge et quelle est la moitié de la vérité? Pourquoi les choses doivent être aussi simples mais continuellement compliquées avec toi, Antoine? Sí, María, contigo las cosas no son tan complicadas. El carnicero viene y abre las piernas. La policía viene a detenerme y abre las piernas. El cura viene para confesar. De nuevo, sabemos dónde acaba. Tu aimerais te placer en victime, Antoine. Mais dans cette vie, nous sommes uniquement les prisonniers des prisons que nous construisons nous-mêmes. Para ser una callejera y una esposa sin fe, tienes una forma de hablar muy ambigua. Elle ne t'a jamais aimé, Antonio. ¿Quién? ¿Quién nunca me amó? Ça, je ne sais pas. Je ne suis qu'une voix qui n'existe que dans ta tête. De quoi parles-tu, Antoine? Comme ta mère m'a dit, la misérable étendue de ta vie de rêve est un poids de plus sur la réalité prosaïque de notre réalité physique au jour le jour. María, 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 mi querida María, tu madre, perdóname, pero no me lo perdonaré si no confieso. Era una mujer horrible con un alma que robó del diablo. T'as pas honte, Antoine? Toi et les insuffisances de ton misérable subconscient primaire. Antonio, Antonio, réveille-toi, réveille-toi. Cállate. Eres solo una voz en mi cabeza. Déjame soñar en paz. Est-ce que c'est à ça que tu veux réduire toutes les femmes, Antonio? Une analyse réductrice du féminin est un archétype classique de ta répression. Oh, por el amor de Dios. Deja de sonar como mi esposa cuando no está pagando el alquiler por sí misma. Ta femme, est-ce qui je suis maintenant? Espero que non. Peut-être suis-je Luigi. Après que tu l'aies traîtreusement castré, a-t-on déjà considéré ça? Lo hemos considerado fuera de cámara muchas veces. Consideramos el modernismo. Predijimos el postmodernismo. Adoptamos el surrealismo.
Refutamos la visión tecnocrática del futuro de la humanidad. Tantas maravillas hemos adoptado que me asombro del sistema educativo italiano. Fui educado por curas y aún así conozco toda la blasfemia bajo el sol y flotando en el aire. Oh, Antonio, maintenant c'est toi qui parles comme ta femme. C'est peut-être ton désir le plus intime d'être martelé jour et nuit par des bouchers et des prêtres et des policiers. Sugiere que deseo acostarme con otro hombre, porque quiero hacer cosas, y me odio a mí mismo por mis tendencias destructivas. Opino que es un poco simple, incluso para el subconsciente de un humilde ladrón. L'humilité est comme le paradis pour des hommes comme toi, énormément surestimé. Tu devrais choisir l'enfer. Au moins tu y connaîtrais des gens, comme Luigi. No hables de Luigi! Él no era ni siquiera un buen tipo! Enfin, on peut tous justifier l'incarnation de notre chute. Même Icar l'a fait, alors qu'il plongeait dans l'azur méditerranéen. El pensamiento clasicista es la gran debilidad del alma contemporánea. Donc, tu admets que tu as une âme. Soy un comunista, un ladrón y un hombre de la gente. Las almas son por lo que la clase dominante nos encarcela. C'est quoi encore ce truc? Que cosa? L'utilisation libérale de Deus Ex Machina. ¿Qué? Oh, Luigi! Creía que estaba muerto. Me mataste, pero te perdono porque ya no existo más. Entonces, la inmortalidad era un mito. Y no somos más que la encarnación física de nuestras propias neurosis. Eso es lo que dijo tu mujer mientras digería mi espada en la cama matrimonial. ¿Es esta la verdad? La ansiedad subyacente de mi realidad. Eso que justifiqué por conveniencia. Era en realidad la manifestación de los cuernos en mi cornuda cabeza. ¿Cómo puedes hacer esas preguntas a un fantasma? El águila que escucha el susurro de una flecha mientras hiere su corazón ve que la flecha ha sido creada usando sus propias plumas. Ce cheval est d'une finesse, Antonio. No es un caballo, es mi vida. Un homme avec une simplicité physique de la sorte est un homme que je peux respecter. Dices que esa es mi habilidad para negar la humanidad, robando y conquistando a mis queridas criaturas, y que he creado el respeto hacia ti, bella mujer, que encontré en mi camino. Non, elle veut dire que dans toute ta superficialité, tu as encore une fois sublimé le féminin jusqu'à la forme idéale du désir masculin. Comme ma mère a prédit que tu ferais. Es un error común entre traidores. Y entre pecadores. Y los reprimidos. Es solo a través de la expresión creativa, un mundo vacío de color y únicos planos de cámara que nuestra verdadera naturaleza puede ser revelada.